Hey, salut tout le monde, c'est Elvin et on se retrouve pour le tuto Undertale sur Click Team Fusion. On me l'avait demandé, hein. Donc du coup voilà, il y est. Donc là on va juste faire les mouvements. Donc alors pour commencer, on va faire clic droit, on va insérer un objet et ça va être un actif qui se trouve dans graphique et animation. Donc on va l'insérer. Attendez, sur un petit carré comme ça là. Enfin plutôt l'oreille carré, hein, si tu veux. Hop, tu supprimes. Tu vas importer le sprite, les sprites de ton jeu. Donc là, on est dans arrêter. Donc tu vas prendre tout ça. Tu vas CTRL C. Tu vas aller dans marche. Tu vas descendre ici. Parce que ça, cette animation-là, ça joue quand tu appuies sur flèche de bas. Donc tu vas faire marche et tu vas faire CTRL V. En bas, j'ai dit. En bas. Ça a mal. En bas. Voilà. Ça, on peut supprimer. Hein. Hop. Donc, le truc, quand tu vas appuyer sur flèche du bas, ça va jouer cette animation-là. Donc, à quelle vitesse? On va la jouer à 10. Et on regarde ce que ça donne. Faut boucler aussi. Voilà. Et c'est un peu trop rapide. Je vais le mettre à 7. C'est mieux. Donc là il me manque une sprite, CTRL C, CTRL V, on la glisse là. Voilà, ok. Même à 10 si tu veux. À 10, voilà. À 10, voilà. Donc maintenant, ça marche, c'est ça, c'est bien. On va supprimer ça. Parce que quand tu es arrêté, bah, ça va donner ça. Sauf que, comme je l'ai dit, c'est quand tu vas appuyer sur flèche de droite. Et non, 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 non. Voilà. Fail. Donc maintenant, à s'occuper du haut. Animation du haut. Donc on a nos sprites. Voilà. Donc, CTRL C, CTRL V. Parce que moi, voilà. Et je l'ai mis à 10, je crois. Voilà. Et on boucle. Et voilà. On a plutôt l'impression qu'il fait du croche-pied. Croche-pied. Je sais pas comment on dit. Bon, voilà. Là, comme j'ai dit, quand tu vas appuyer sur flèche du haut. Et que tu arrêtes d'appuyer, ça va faire ça. Je peux déjà vous montrer le résultat. S'il vous plaît. Il faut le mettre en... Vous allez dans un mouvement et vous faites 8 directions. Et vous le mettez à 10. Vous le mettez à 10. Voilà. Voilà, on peut voir qu'il bouge. Et là, hop, il s'arrête. Il bouge, hop, il s'arrête. Voilà. Donc bien sûr quand il va à gauche et à droite il n'y a pas l'animation, ça fait voilà. Donc on va tout de suite changer ce problème là. Marche et on va sélectionner la flèche de gauche ou de droite. J'aurais dû commencer par l'autre, je suis bête. Donc là quand c'est comme ça vous allez juste inverser avec ça. Symétrie horizontale ou CTRL I. On va faire ça. Voilà. On a ce qu'il nous faut. On va mettre la vitesse d'animation à 10. 10. On boucle. On va prendre l'image fixe. Et on va la mettre. Hop, voilà. Ensuite, vous allez retourner à marche. Vous allez copier ça. Et la mettre de l'autre côté. Et vous retournez horizontalement. Je sais pas si ça se dit. Hein. Laisse tomber. Et donc... On met ça à 10, hop, et on boucle. Et là, on a juste à copier ça, à mettre là. Et là, il y a un truc qui va se passer. Regardez. Ça marche. Je m'arrête, ça s'arrête. Je marche. C'est aucune condition. Pas besoin de rien, c'est juste... C'est juste... Comment ça s'appelle?
les animations qui vont le faire. Et vous pouvez vérifier qu'il n'y a aucune animation, aucune condition. C'est 0. Et je reviens là, bah, c'est juste ça qui va le faire. Et avec ça. Voilà, c'est tout. Donc bien sûr, on coche coller aux obstacles. The obstacle, oui, bien sûr. Par exemple, on va dire que... On va dire que ça, c'est un obstacle. On lance. Oui, il faut une condition. Oh, je suis bête. Non. Hop. Ça fait un négatif. On met un stop. Hop. Et là. Hop. On peut pas traverser parce qu'il colle aux obstacles. Et donc du coup, si t'es contre un mur, ça fait ça. Voilà. On colle au mur. C'est voilà, c'est ça, c'est tout. Hein. Donc voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça sera très court, oui, effectivement. Mais bon, c'est comme ça, c'est Undertale, c'est très facile à faire. Et donc, sur ce, n'hésitez pas à partager cette vidéo à ceux qui ont envie de faire un fan game d'Undertale, par exemple, ou un RPG tout court sur Cloud Fusion, ça aidera. Mais bon, sur ce, moi, je vous dis ciao, hein.